Keep burning rich and fly! Depuis l'épisode confinement, on n'avait pas eu l'occasion de refaire ce type d'événement. C'est une première en Polynésie. On est sponsorisé par la marque américaine ASP qui nous permet de faire ce stage à valeur internationale, à la fois bâton télescopique, menottes et lampe tactique, sur 3 jours, avec la possibilité pour les agents d'avoir une carte d'instructeur à la clé et de repartir avec du matériel, bien sûr. On travaille aussi bien sur le bâton télescopique en général, tous les types de frappes, bâton déployé, non déployé. Et on va évoluer petit à petit sur le deuxième jour avec l'utilisation des menottes, de la lampe tactique. Et le troisième jour, eh bien, c'est le jour de la pédagogie pour eux, où ils vont devoir dérouler le cours, mais aussi le jour de nouveaux ateliers comme le Redman par exemple, avec de nouveaux enjeux pour eux. Toutes les archipels qui sont représentés dans les services comme la police municipale, on a des effectifs de gendarmerie qui sont venus à titre personnel, on a des collègues de la douane qui sont venus aussi, police nationale qui sont venus aussi à titre personnel, des gens de l'Assemblée aussi qui font la sécurité, qui n'ont pas le bâton de défense en dotation, mais qui peuvent être amenés à utiliser les armes tactiques. Et dans leur entraînement, en fait, ils peuvent complètement transposer ce qu'ils ont vu là sur un travail à main nue pour former leurs effectifs. Mais c'est vrai que géographiquement, on essaie de toucher un maximum d'archipels pour qu'eux puissent relayer après sur leur brigade. On prend aussi comment on va travailler sur le terrain. Et c'est pas parce que c'est juste le bâton, on monte et on est fort, non. Le dialogue, ça sert à des choses. La première chose de l'arme, c'est le dialogue. Le sport, c'est il faut mettre dans notre attitude, dans notre travail de tous les jours. Parce que s'ils n'ont pas de physique, la santé n'est pas bonne, c'est pas bon sur le terrain. Au sol, calme-toi, mets les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos, regarde à gauche. Cette formation-là, elle vient quand même de loin, c'est une formation académique. Et puis là, donc à la fin, on est certifié. Et puis pendant 3 jours, c'était vraiment des cours assez intenses. Et franchement, le fait de revoir les gestes techniques, ça fait vraiment du bien, quoi. Mais pas que, parce qu'en même temps, on était quand même donc mélangé dans plusieurs domaines. Parce que là, il y avait la sécurité, il y avait la douane, la gendarmerie. Il y avait pas mal d'autres services qui étaient là pour partager ces moments-là. Dans un contexte collectif, c'est important d'avoir une cohésion. Hein, aujourd'hui, depuis le début, on nous a bien fait comprendre que la cohésion, c'est important. C'est ce qui va amener donc, le groupe à réussir. Et puis, aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint cet objectif, quoi. Le partage d'expérience déjà, et aussi le partage humain. Les encouragements et tout, certaines personnes avaient du mal, tout ça, on les encourageait et c'était vraiment bénéfique pour tout le monde. Le but en fait pendant ces 3 jours, c'est de les mettre en situation réelle, sous stress, beaucoup d'endurance, beaucoup de physique, mais aussi beaucoup de drill avec des gestes à répétition, des gestes simples, mais à répéter sous stress et avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous pouvez le voir là, ils n'arrêtent pas depuis ce matin. Donc c'est ça un peu la difficulté, ça va être ça pendant les 3 jours. Il ne faudra rien négliger sur le terrain et puis ces gestes sont aussi bien donc que une protection pour nous, une sécurité pour l'individu et surtout amener à bien donc les missions que l'on mène. Laisse à distance, laisse à distance, laisse à distance.